Que quoi? Mardi minuit 6. Qu'est-ce que c'est? Alors, le jeu qui lag. What the fuck? Option avancée. Mais attendez, mais c'est pas possible. Pourquoi ça lag comme ça? C'est bizarre, non? Son. Attends, son. Déjà, on voudrait mettre les effets à 80 et les musiques à 80. Validé. Ensuite, les graphismes. Va falloir mettre en 30 fps pour de vrai? Faut que je le mette en 30 fps? Monsieur, vous êtes bien trop près de moi. Je sens votre haleine d'ici. 30 fps, c'est vrai, faut que je mette en... Je parie que c'est le flic, mais... Comment vous pouvez parier que c'est un flic? Pourquoi il y aurait un flic? Non, j'en ai aucune idée, ok. Le gamin a disparu? Bah non, je sais pas. Je sais pas, moi non plus, j'ai pas suivi. Bah ça y est, ça lag plus. Les gars, oubliez pas de pas trop en dire non plus, hein, et parce que souvent vous connaissez le jeu, il est sorti il y a 11 ans. Je veux pas... Lauren Winter, je veux pas qu'on me spoil. Non, je vois pas. Sinon, je mets le chat en emote only et je joue toute seule. Voilà. Oh, cette Lauren Winter là. Troisième étage, dernière porte à gauche. Mais quoi? Mais je déteste ce genre de personne. Salut, c'est Farbus, comment vas-tu? Il a trouvé un origami. Bah, je sais pas, il avait un origami dans sa main. Le vendu, de ouf. De ouf. Troisième étage, il a dit quoi? Troisième étage, quoi? Je me souviens plus. On va rentrer ici. Bonjour. Bah, c'est pas lui. Bonjour. Excusez-moi madame, je voulais vraiment pas vous déranger. C'était pas mon intention. Lauren Winter. Ils sont occupés, je crois. Je reçois que sur rendez-vous. Merde. Mais attends, on recommence. On recommence. Monsieur... Voilà. C'est 50 billets. J'embrasse pas et je fais pas de trucs tordus. Ça me va. C'était pas prévu. Pose le fric sur la table. T'as exactement 10 minutes. Quand le réveil sonne, c'est terminé. Ok? Go. Attends. Bonjour madame. Bah déshabille-toi, on n'a pas toute la journée. Oh là, t'as l'air dépressive. Je suis pas un client. Mais attends, c'est la mère. Oh merde, un flic. J'aurais dû m'en douter. Vous voulez quoi? Une passe gratuite, c'est ça? Ah oui. Mon nom est Scott Shelby, je suis détective privé. Les familles des victimes du tueur aux origami m'ont chargé d'enquêter sur les meurtres. J'aurais voulu vous poser quelques questions sur Johnny. Johnny? J'ai déjà dit tout ce que je savais à la police. J'ai rien à ajouter. Allez-vous-en. Compréhensif. Je comprends, Lorraine. Je sais ce que vous devez ressentir. Ah oui? Vous savez ce que ça fait de retrouver le corps de son enfant dans un terrain vague? Excusez-moi, mais vous n'avez pas la moindre idée de ce que je ressens, monsieur Shelby. Bah je vais insister. Il y aura d'autres victimes si on n'arrête pas le tueur. Il faut que vous m'aidiez, Lorraine. Vous savez ouais, peut-être quelque fait, chose Farbus, qui peut celui-là. Faire avancer l'enquête. Vous aider? Il n'y a rien que vous puissiez faire. Mon fils est mort, vous entendez? Il est mort! Émouvoir. Si on retrouve pas le tueur, d'autres mères vont retrouver le corps de leurs enfants dans des terrains vagues. Mais vous avez raison. C'est pas votre problème. Il a bien raison. Tout ça ne vous concerne plus, n'est-ce pas?
Bon, c'est un peu hard, mais en même temps, c'est la seule manière de la faire réagir. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Bah tout ! Bah dis-moi tout ! Je connais pas l'histoire. Johnny. Parlez-moi de Johnny. Quel genre de gamin c'était ? C'était vraiment un brave gosse. Quelquefois, il se battait quand les gamins me traitaient de... Vous savez. Mais c'est Twitch friendly extrême, pourquoi ? À sa manière, je crois qu'il comprenait. Tu sais, ce t'as qui se une passait. Liste de jeux interdits sur Twitch. On va parler. De. Suspect. Est-ce que vous avez suspecté quelqu'un après sa disparition ? Avec mon boulot, je croise pas mal de types un peu bizarres. Oui ? Je me suis demandé si ça pouvait être l'un d'eux. Mais ça collait pas du tout. Je crois pas qu'un de mes clients aurait pu faire ça. À mon Johnny. Et à tous ses autres enfants. Non, non, mais je sais qu'il n'y a pas de soucis de strike, vous inquiétez pas, hein. Je sais bien. Oh, une cigarette ! Santé ! Vous en voulez une ? Oui. Non, j'ai arrêté, merci. Oh, merde. C'est courageux. Ah oui, il n'y a pas de soucis, t'inquiète. La maison de Johnny. Johnny vivait avec vous ? Oui. Bien sûr, je faisais en sorte que Johnny ne croise jamais mes clients. Je voulais arrêter, vous savez. Mais on avait besoin d'argent. Allumons tous une cigarette en l'honneur de Johnny. Je voulais tenir le temps d'avoir assez de fric pour partir d'ici. La disparition. Comment est-ce que votre fils a disparu ? Il avait l'habitude d'aller jouer avec les gamins du quartier après l'école. Ah, c'est la voix d'Al Pacino ? Du doubleur d'Al Pacino, ok. Il pleuvait ce jour-là. Il pleuvait à verse. Je m'en rappellerai toute ma vie. Oh, ça s'écrit comme ça, averse ? Tous ses copains sont rentrés chez eux, vers 5h. Tous sauf lui. Et du coup, ça veut dire que ses copains, ils doivent connaître... Oh, on n'a pas posé de questions sur le père de Johnny ! La séance est terminée. J'espère que vous avez eu ce que vous vouliez. Non ! Maintenant, allez-vous-en. Non ! Le père de Johnny ! Bah attends, je fouille. Voilà. Je vais fouiller. Merde, on sait pas qui est le père de Johnny, je suis trop bête. Mais de toute façon, elle m'aurait dit, bah je sais pas. Je sais pas, ça doit être un de mes clients. Faut repayer, bah ouais, mais je crois pas. Attends. Allez, mais là... Si vous vous souvenez de quelque chose, même un détail, appelez-moi. Oh, Scott Shelby. C'est comme ça, tu sortirais un peu plus aussi. Écoute, hein, laisse-moi dans ma grotte. Je suis bien ravie d'être dans ma grotte. Oh, il y a une salle de bain. Attends, on peut y aller ou pas ? Ah, je crois que c'est pas possible. Je crois que c'est pas possible. Bon, elle veut plus parler. Elle est nulle. Coucou, cool, comment vas-tu ? Non, non, je lui ai son argent, attends la pauvre, je lui ai pris de son temps. T'imagines, c'est du temps qu'elle a perdu quand on bosse pas dans ce genre de métier. Ah. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu veux, connard ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Loren ! Est-ce que tout va bien ? Elle va super bien. Maintenant, dégage ! Bah alors là, jamais de la vie, je dégage. En fait... Voilà. Encore toi ? Bah oui !
Si bon, tu attends. Cherches les emmerdements, t'as gagné. Mais qu'est-ce que tu crois? Je vais te défoncer ta sale gueule. J'aimerais bien voir ça. J'ai raté. Q. S. Attendez. Z. Là. Troy, non. Merde, mais j'appuie sur S comme une débile. Oh non. Arrête tout de suite. J'appelle les flics. Ok. Z. Attention. Voilà, tu vas faire quoi maintenant? S. Z. Troy, non! De non! Ça fait mal. Il va me tuer. Q! Mais c'est quoi Q? C'est ça, Q, en fait. Mais je suis bête. Il va me tuer dès le début. Ok, c'est dur les QTE avec les le clavier, hein. Oh, j'ai réussi le dé. Ok. Oh. On se retrouvera. Ouais, hein. J'ai spammé le dé au lieu du cul. J'ai raté certains messages, désolé. Je peux pas pisser dans sa salle de bain, je suis déçue. Salut Melmel, ça va et toi? Elle va m'en vouloir. Qu'est-ce qu'elle a? Sauf que lui, il va vouloir me tuer, du coup, c'est sûr. J'aurais dû la laisser. Ouais, mais non, imaginez, elle serait morte. Coucou Diabolo, bonjour à toi, coucou. Merci pour ta lurk. Désolé, j'ai raté certains de vos messages, du coup, il y avait de l'action. Appuie longuement, simultanément, rappel. SWD. Ah oui, ça d'accord. Le petit coup de tête qui dit, allez, je te fais une passe gratos. Mais ça voulait dire ça? Je crois peut-être. On est de retour avec Ethan là. Hein. C'est Ethan. Tu as compris comme ça, d'accord. Non mais ok. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de souci, qui t'inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il est drogué? Attends, mais c'est pas Ethan, ça? C'est Ethan? Non, c'est pas Ethan. On connaît pas Ethan, là. Bonjour? Non, personne veut me dire bonjour. Comment tu le trouves? Bah écoute, pour le moment, ça va. Je comprends qu'il y a un tueur d'origami. Un corps a bien été retrouvé dans ce terrain vague ce matin. Ah. La police est encore sur les lieux, en train de rechercher des indices et d'interroger. Le périmètre est fermé, monsieur. Restez pas là, s'il vous plaît. Bah alors, déjà, je suis inspecteur. Norman Jadon, du FBI. Vous avez une carte ou quelque chose, monsieur Jadon? Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais il est sympa pour le moment, c'est cool. Ouais, c'est compliqué les QTE-PC. Hein. Où est passé? Blake? Je cherche le lieutenant Carter Blake. Est-ce qu'il est là? Je l'ai vu arriver tout à l'heure. Il doit être dans le coin. Merci. Il est quand même bien fait pour un jeu de 2010, hein. Enfin, je veux dire... 2010, hein? Je sais pas si vous vous rendez compte, hein? Il tue des papiers, oui, il tue des papiers. C'est un méchant tueur d'origami.
Senteur médical, d'accord. Bah ouais, tu m'étonnes, The Mat. Oh là, une lettre Gucci. Enregistrement mémo vidéo. Agent 47023, Norman Jaden, mardi 4 octobre 2011. Il est 8h14. Mais c'est méga stylé de fou! C'est moi où tous les PNJ se ressemblent. Mais ouais, ça rajeunit pas, hein. Là. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une bouteille d'alcool. Mais attendez, mais c'est génial! Sans rapport avec l'enquête. Salut, le lieutenant Blake est dans le coin? Ok, d'accord, il est là-bas. Mais attendez, mais c'est trop cool! Et moi je veux tout fouiller, ça y est. Et le FBI, ils ont des trucs comme ça, mais attendez, mais c'est génial. Moi aussi je veux bosser au FBI, hein. Moi je veux le gant. Je veux les lunettes et le gant. Ok. Ah, il y a un truc ici. Il y a un truc, qu'est-ce que c'est? Des pollens d'orchidées. Oh. La concentration de pollen dans l'air diminue rapidement à cause de la pluie. Et elle est plus importante autour du corps. Pas de soucis, Klein, des bisous. Merci beaucoup pour ta lurk. Des bisous. Hé hey, vous là-bas, qu'est-ce que vous faites? Oups. Lieutenant Blake, je suis l'agent Norman Jaden du FBI. Je suis passé à votre bureau en arrivant ce matin, on m'a dit que vous étiez ici. Fantastique! Si vous aimez la pluie, les cadavres et les autoroutes, oui, vous êtes au bon endroit. On aime ça, nous! Tu peux dire à ce connard avec son bulldozer d'arrêter 5 minutes, on s'entend plus ici. J'y vais tout de suite, lieutenant. Bon, vous venez, Jaden? Bah attends, moi je veux regarder le cadavre. Les faits. Énumère-moi. Alors, les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Un type qui emmenait son chien pisser a trouvé le corps vers 6h ce matin. Ok. On sait pas beaucoup plus pour le moment. D'après les premiers éléments, ça ressemble au mode opératoire du tueur aux origami. Des témoins? Des nouvelles du légiste? Merde! J'étais trop lente! Route, lieutenant. Putain, mais ça fait une heure qu'on l'attend! Des témoins? Pas pour le moment. Vu le quartier, ça m'étonnerait que quelqu'un ait vu quelque chose. Ouais, bah ouais, forcément. Forcément. L'identité. Le corps a été identifié? Non, pas encore. Ouais. On va en savoir plus dans la journée. Précaution. Il y a beaucoup de monde sur la scène de crime. Vous n'avez pas peur que vos hommes détruisent des indices? On trouve pas des preuves en restant assis derrière un bureau. On n'a pas l'habitude de piétiner les indices, même si on n'est pas du FBI. Alors lui, il aime pas bien le sûr, FBI. C'est hein. Pas ce que je voulais dire. Tony! Je peux pas voir un seul de ces fouilles merdes de journalistes à moins d'un kilomètre d'ici, c'est compris? Allez! Oui, écarte-moi ces journalistes! Les indices! Vous avez des indices? Les hommes sont en train de passer le coin au pays de fin. Si le tueur a laissé quelque chose, on va le trouver. Ok, les causes de la mort. On a pu déterminer lors de sa mort. D'après la rigidité cadavérique, la mort remonte sûrement à moins de 6 heures. Ok. On en saura plus quand le légiste aura vu le corps. On aime tous les cadavres ici, on l'a joué à Graveyard Keeper. Pourquoi on parlerait pas de tout ça un peu plus tard au bureau? Pas de problème, je comprends. Mais non, mais moi je voulais demander autre chose. Si je jette un œil. Le doubleur de Ant-Man. Chez vous. Oh, qui c'est? Enfin, si, hey, je vois qui c'est, mais j'ai pas. Allez me voir si vous trouvez quelque chose, ok? Oui. Les coéquipiers maintenant. D'accord. Bon, alors nous on va remettre nos lunettes. Et c'est parti pour l'enquête! Il y a un truc ici là.
Harry commentaire, relevé sans intérêt, appartient à un des policiers présents sur le terrain. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ah, attends, policier. Il y a trop de monde ici. Ces types sont en train de piétiner la scène de crime. Sont débiles, hein. Le corps est encore là. Ouais, le pollen. Du pollen d'orchidée. Quelque chose que le tueur ne pouvait pas contrôler. Je peux peut-être encore remonter la trace. Ouais, le train. Il y a une voie ferrée près de l'endroit où il a laissé le corps. Comme pour les autres victimes. Le corps est encore là. Et Blake? Drôle de type, ce Blake. Pas l'air enchanté de me voir. Ah bah non, mais en même temps, dès que le FBI arrive, en général, les flics sont pas très contents. Y'a un truc là-bas. Ah oui, y'a le truc d'orchidée. Moi, j'ai envie d'aller voir le corps. Eh bien, bon appétit, The Matt. Bah oui, c'est l'heure de manger. Vous allez manger quoi de bon à midi, les copains? Et Little Big Planet, le premier jeu de la PS3. Comment ça, Yakuso? C'est une version bêta de Connor, j'ai l'impression. Harry commentaire. La victime est couchée sur le dos. Aucune trace de violence apparente. Il y a quelque chose là. Blessure superficielle à la cuisse droite. L'analyse sanguine indique que la blessure pourrait être post-mortem. Sûrement une éraflure en déplaçant le corps. Ok. Le bilan sanguin indique un état d'épuisement important sur une longue durée. Son visage est couvert de boue, comme celui des autres victimes. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a ça là. Qu'est-ce que c'est? La victime a dans la main droite un petit origami. Eh oui! Le poing est serré. Les doigts ont probablement je sais été pas, fermés post-mortem. J'avais pas vu l'heure. Bah désolé, Yagnil. Tortellini, ricotta, épinard. Ça a l'air bon. Ok. La victime est bien Jeremy Bowles. Déclaré disparu il y a 5 jours. Voir dossier en référence. Oh non! C'est ce que je vous dis! C'est ce que je vous dis, c'est nous, c'est le mec du début là, le méchant, c'est sûr. On a pété les plombs, qu'est-ce que c'est? Poulet patate, oh c'est bon ça. Dis chez moi 6h du matin, oui bon, c'est dommage ça, écoute. Appartient à un des policiers présents sur le terrain. On peut toujours manger après, hein. Ok. Harry commentaire. Les particules de pollen se perdent dans les hautes herbes. On dirait que c'est la fin de la piste. Là, il y a quelque chose là, c'est du sang? Harry commentaire. Trace de sang sur la voie ferrée. L'analyse confirme qu'il s'agit du sang de la victime. Je sais pas ce que j'ai dit, Yagnil. C'est le sang de la victime, d'accord. Ah, il y a autre chose là-bas. Vous savez que je vais me faire écraser par un train? Ou pas? Harry commentaire. Les traces de pas continuent après la piste de pollen. Il y a des chances que ce soit celle du tueur. Ok. Du coup, faut les suivre, j'imagine. Là. Harry commentaire. Il y a des traces de sang sur le grillage derrière la voie ferrée. Le sang est celui de la victime. Le tueur est passé par ici pour déposer le corps et l'a sûrement éraflé en passant le grillage. Non mais un tueur d'enfant, ça peut que être l'autre, c'est sûr. Oh bah mince, il y a plein de boue. C'est terrible. On réessaye, allez. Merde. Oui, attends, je rigole. Ouh. On recommence. Ok, c'est bon. J'ai des trucs sans y penser, mais je te jure. On va continuer à monter, nous.
Ok, alors si on fait un petit scan, on peut pas ? On peut pas faire un scan. 4. Oh là là, j'ai failli faire n'importe quoi. Attendez, on y retourne. Bonjour Kiern, comment vas-tu ? Coucou à toi. Allez, on y va. On dirait un mec dans les X-Men, là. Vous savez, le mec avec... Le mec avec ses lunettes, là, qui peut rien regarder, qui a des lasers. Il est tout sale, ouais. C'est terrible. Cyclope, je sais pas. Que ce soit celle du tueur. Scott, oui, Scott. Je crois que c'est plus Scott que Cyclope, ouais. Ou alors c'est la même personne, mais je suis pas au courant. Qu'est-ce que c'est ? C'est des traces de pneus, ça. Harry, commentaire. Traces de pneus derrière la voie ferrée sur le bas-côté de la route. C'est sûrement la voiture du tueur. Je crois que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à voir. T'es sûr ? Oh bah super, on est trempé maintenant. Oh bah bravo. OB. Bon allez, on y va. On va faire du toboggan, ça vous dit ? C'est l'heure du toboggan. Est-ce que je peux mourir si je vais sur la route ? Je sais pas. J'ai pas envie de tester. Mais oui, mais mec. Mais mec, tu m'as dit une touche que j'ai pas compris. Attends. E et A. Et là, va y avoir un train et on va se prendre le train, paf, de plein fouet. Tu vois ce que c'est? Ah, c'est mâche gauche. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir? Je suis pas sûre. Hein. Je suis pas bien sûre. Hein. Moi, je dirais, on dirait un Men in Black. Ok. On sait qu'on peut mourir ou pas? Et non, vous voyez, je peux pas y aller. Je peux pas y aller. Avec la boue, ouais. Bon, en plus, un clochard du coup, hein. Je crois qu'on a fini, hein. Oh, je sais. Harry, commentaire, relevé sans intérêt, appartient à un des policiers présents sur le terrain. Ok. Bah super, bah bravo, voilà, on me fait perdre mon temps, hein. Félicite pas, hein. Ouais, je voudrais encore jeter un œil si ça ne vous embête pas. Ouais. Prenez tout votre temps. J'arrive. Merci Cocox pour le follow, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Allez hop. On va quand même essayer de fouiller un peu plus. On sait jamais, hein. Peut-être qu'on a loupé quelque chose ou quoi. Et du coup, qui aujourd'hui découvre ce jeu ? Ah ! Le meurtre. Quand est-ce qu'on a trouvé le corps ? Excusez-moi, mais... Vous êtes qui exactement ? Norman Jedon, FBI. Oui, vous êtes beaucoup à découvrir le jeu. Vous avez des questions, c'est au lieutenant Blake que vous devriez parler, monsieur. La météo ? Ça le temps, hein ? Il pleut toujours comme ça ? En automne, il pleut. Pas comme ça chez vous ? Ah non. Si. Si, bien sûr. Oh là là, café ? C'est du café que vous buvez là ? On a dans le thermos, derrière vous. Avez-vous ? Ah bah nice, Cocox. Bah, je te. Vu que tu connais, ne me dis rien, aucune suggestion, rien du tout, hein. Attention. J'espère que t'as kiffé le jeu en tout cas. Bon, ils veulent pas me parler, hein, c'est des.
J'ai fait il y a 11 ans, je me rappelle vaguement, je serais incapable de spoil. Eh bien, tant mieux d'un côté extrême, tu le redécouvres. Tu l'as fait il y a pas longtemps et tu t'en rappelles plus trop, d'accord. Moi, je pense qu'il y a quelque chose ici, non? Bon, il n'y a rien, faut rentrer. Et il y a un truc là-bas, j'avais pas vu, oh les gars. Vous avez vu? Il y a un truc tout là-bas qu'on n'a pas vu. Mince. Il est sur PS4, je l'avais fait sur PS3. Bah moi, je l'ai sur PC actuellement, Isrem. Ils veulent pas discuter avec moi, ils sont pas gentils. Hein. Ils sont pas très très gentils. On va aller voir ce que c'est. Oh non, le chat! Un chat crevé. Le FBI ne fiche pas les chats crevés. Pas encore. C'est terrible. Mais c'est trop triste. J'ai dû l'avoir gratos sur PS4 avec le PS Plus. Ah, ok. Ok, ok. Ben moi, c'est minuit 12 et Quantic Dream qui m'ont offert le jeu. Du coup, c'est vraiment cool. Et salut, Zeynak. Ça va? Merci, et toi, comment vas-tu? Impression. Je crois que j'en ai assez vu. Ok. Je ferais mieux de rentrer au poste avant d'attraper une pneumonie. Oh, ce serait vraiment dommage que tu chopes une petite pneumonie ici, hein. Mais j'ai de loin préféré Detroit Become Human. Ouais, apparemment, c'est ce que beaucoup de gens ont préféré, donc... Je vous donnerai mon avis à la fin du jeu. De toute façon, il fait une dizaine d'heures, donc c'est soit on fait tout aujourd'hui, si je suis pas fatiguée, mais je pense qu'on va pas tout faire aujourd'hui, soit on fait moitié-moitié, du coup, aujourd'hui et jeudi et vendredi, et comme ça... Comme ça, je pourrais vous dire ça rapidement. T'as préféré Heavy Rain, Timéa? Ok. Au fait, Timéa, tout à l'heure, t'as dit que t'étais prof. T'es prof pour quelle classe? Est-ce qu'on peut apprendre des choses? Non, Become Human, on l'a refait il y a pas longtemps et c'était vraiment trop trop cool. C'était génial. J'ai vu une autre fin pour tous les personnages. C'était super intéressant. Bon bah écoutez, je pense qu'il n'y a rien d'autre à voir. Il a dit qu'il fallait rentrer, donc on va rentrer. Et tuc. Il est assez récent aussi, Détroit. Et c'est même plus un studio, donc. Et c'est du même studio, ouais. Oui, heureusement qu'ils ont pas régressé, ouais. Hein? Ah. Non. Je suis sortie. Oh, c'est trop cool ça, Timéa. J'espère que tu te plais dans ton métier. J'imagine que ça doit être dur à certains moments, mais j'espère que tu t'y plais. J'ai eu deux fins sur les deux opposés. Ah ouais, moi aussi, Cocox. Moi aussi. Ça m'a saoulé, j'ai pas refait. Oh mais non, c'est Farbus. Il faut le refaire, t'auras d'autres trucs. J'ai eu quatre fins différentes. Ok, ok. Bah écoute, moi de toute façon, je me doute qu'il y a plusieurs fins à partir du moment où tu fais des choix. Mais je verrai, de toute façon, on va découvrir ça. On a passé beaucoup de temps sur l'enquête, hein. Il fait 10 heures, mais moi, si à chaque fois je passe du temps comme ça, à mon avis... Oh, on a débloqué un nouveau bonus. Agent du FBI. Incroyable.